cette capsule qui va tâcher de vous expliquer comment bâtir une argumentation efficace. Alors commençons par le commencement. Déjà, c'est quoi une argumentation Donc une argumentation, c'est le fait d'argumenter. Argumenter signifie développer une suite d'arguments. Autrement dit, une argumentation, cela va consister à s'exprimer sur un sujet en essayant d'être le plus convaincant possible et pour cela en développant une suite d'arguments. Les arguments, ce sont des affirmations particulières, comme le dit le trésor de la langue française, présentées à l'appui d'une démonstration. Et par extension, on peut parler d'indices, de preuves tirées des faits de l'expérience. Un argument, c'est donc un raisonnement, c'est donc une preuve qui est destinée à appuyer une affirmation. Et c'est également pardon, un moyen de convaincre. Alors, passons maintenant à un deuxième point. Argumenter, convaincre ou persuader. Ben, en fait, les trois. Parce qu'en fait, que ce soit la conviction ou la persuasion, ce sont d'une certaine manière les deux mamelles de l'argumentation. Convaincre, cela signifie utiliser des arguments qui vont solliciter la raison. Et persuader ça va être utiliser des arguments qui vont solliciter les sentiments. Autrement dit, quand on convainc, on parle à la raison. Quand on persuade, on s'adresse aux émotions. Si je devais vous donner un exemple euh, qui vous parlera peut-être parce que ça fait référence à un certain nombre de, de souvenirs que chacun a pu euh, vivre, c'est vous êtes à table et vous avez du mal à terminer votre assiette. Généralement, il y a quelqu'un qui va vous dire ⁇ Il faut que tu termines, c'est important de manger pour ta croissance, pour ton développement, etc. ⁇ Ça, on est dans l'ordre du convaincre. On utilise des arguments qui sollicitent la raison. Et puis de l'autre côté, vous aurez ⁇ Je t'ai fait ce plat-là justement parce que je savais que tu l'aimais. C'était pour te faire plaisir. Donc là, on est en train de jouer sur votre émotion. Voilà pour avoir un petit peu schématiquement la différence entre convaincre et persuader. Alors maintenant, quand on se lance dans une argumentation, il est très important d'en de de, voir ses limites, de mettre des barrières. Autrement dit, de quoi parle-t-on On peut distinguer quatre, quatre éléments dans l'argumentation, si on peut dire. De quoi parle-t-on Ça, ça va être le thème. Autrement dit, le sujet général. Ensuite, à partir de ce thème, il va se dégager une thèse, autrement dit l'opinion qui va être à défendre. À partir de cette thèse, on va développer des arguments. Et les arguments, ce sont les preuves que vous allez avancer pour illustrer cette thèse autour d'un sujet donné. Enfin, les arguments, pour qu'ils aient plus de poids, vous allez les illustrer. Et vous allez les illustrer à l'aide d'exemples. C'est pour ça que dans une argumentation, on a ces quatre éléments. Le thème, de quoi on parle, la thèse, quelle est la ligne que je vais défendre, les arguments, autrement dit ce que je vais avancer pour défendre ma thèse, et des exemples. Donc, distinguer thèse, argument et exemple, je vous reformule ça autrement. La thèse, c'est l'idée que je veux défendre. C'est la réponse que j'apporte à la question posée. Les arguments, ce sont les raisons qui viennent soutenir cette thèse. Ce sont les preuves que j'avance. Ce sont les faits que je vais énoncer. Et les exemples, ce sont les illustrations précises qui vont venir donner du poids à mes arguments, qui vont les rendre plus parlants, qui vont euh, faire sens. Dans la tête de celui qui me lit ou de celui qui m'écoute. Pour récapituler ça encore une nouvelle fois, je dirais qu'avec le thème, on se pose la question du sujet, autrement dit de quoi ça parle, et c'est la première chose, la première question que vous avez à vous poser quand vous êtes confronté à un sujet d'argumentation. Avec la thèse, on est dans le domaine de l'idée à défendre, autrement dit ce que j'en pense. Par rapport à ce sujet, voici ce que moi j'en pense. Ensuite, avec les arguments, on entre dans le domaine de la raison, c'est-à-dire comment est-ce que je vais exprimer mon opinion sur cette thèse, c'est-à-dire sur cette idée que je cherche à défendre. Et enfin, je vais illustrer cela, donc après avoir regardé de quoi ça parle, ce que j'en pense, c'est la thèse. Comment je l'exprime, cela va être mes arguments. Et comment je le montre, comment je le fais comprendre, ça va être à l'aide d'illustrations qui se trouveront dans mes exemples. Va arriver maintenant la partie la plus complexe, c'est-à-dire celle de la recherche d'idées. Alors, pour cette recherche d'idées, il vous faut du brouillon, plein de feuilles de brouillon. Et au brouillon, vous allez rechercher et vous allez trier ces idées. Vous allez d'abord énoncer clairement la thèse à défendre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ménager la chèvre ou le chou, vous allez prendre position. C'est ce qu'on attend de vous dans une argumentation. Donc, vous n'hésitez pas à reformuler cette thèse jusqu'à ce qu'elle fasse sens pour vous. Vous n'hésitez pas aussi à la questionner, histoire de repérer ses limites et d'éviter de sortir du sujet. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est garder toujours, faites-vous éventuellement une feuille avec le sujet et la thèse qui en découle. Et à partir de là, tous les arguments que vous allez développer vont être des arguments qui vont aller pour appuyer la thèse que vous défendez. Donc vous allez chercher des arguments convaincants, vous, vous allez pardon, les exprimer par écrit et vous n'hésitez pas à raturer, à barrer. Si par exemple un, ex un, un argument vous paraît hyper intelligent mais que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à l'illustrer par un exemple, c'est qu'a priori il n'est peut-être pas si convaincant que ça. Parce que les exemples sont là pour illustrer chaque, chaque argument. Ils n'apportent pas d'idées supplémentaires, ils, ils doivent juste être précis. Donc, vous n'hésitez pas à les resituer dans le cadre spatio-temporel, par exemple, si vous prenez un exemple historique. Euh, même chose, si vous évoquez un personnage, n'hésitez pas à le situer, à le présenter rapidement, parce que partez du principe que votre interlocuteur ne connaît pas nécessairement tout ce qu'il y a autour. Si vous avez en mémoire des citations... Vous pouvez les introduire à ce moment-là. Les exemples peuvent être des références qui vous appartiennent et qui sont prises dans le monde réel. L'important encore une fois, c'est que vous montriez votre personnalité, donc que vous vous appropriez le sujet. Je récapitule avec cette fois un triangle, mais à l'envers. Vous aurez remarqué que j'étais très très triangle aujourd'hui. En fait, ça va en s'élargissant. On a d'abord... Un sujet général qui est donné par le thème. Ensuite, on va un petit peu plus loin et on développe une thèse, c'est-à-dire que le sujet tiendrait globalement en un ou deux mots. La thèse, c'est une prise de position par rapport à ce sujet et elle, elle va se tenir en une phrase. Et puis ensuite, vous allez avoir les arguments, les raisons, les preuves que vous mettrez en avant pour convaincre. Et là, ça va faire plusieurs phrases et même plusieurs paragraphes en fait. Et enfin les exemples vont venir élargir vos arguments d'où ce triangle qui s'élargit. Les exemples vont venir élargir les arguments et vont encore la développer. Comment est-ce que je vais structurer cela Parce que c'est bien beau d'avoir réfléchi, c'est bien beau d'avoir mis des idées euh, par écrit. Maintenant, il va falloir structurer ça, que ce soit d'ailleurs à l'oral ou à l'écrit, mais il va falloir le structurer pour que votre euh, présentation soit claire et compréhensible. C'est important de commencer toujours par une courte introduction. Dans cette courte introduction, vous allez rappeler euh, ce qui a pu amener le sujet. Vous allez rappeler le sujet. Vous allez énoncer votre thèse, autrement dit votre position par rapport à la question posée, et vous allez annoncer votre plan, autrement dit votre cheminement intellectuel. Cette courte introduction va constituer le premier paragraphe de votre texte. Ensuite, vous allez développer votre argumentation. À chaque argument va correspondre un nouveau paragraphe. Pourquoi Parce qu'un argument, ça s'explicite. Autrement dit, vous allez le développer. Et vous allez l'illustrer d'un exemple précis, ce qui fait que c'est une idée, un exemple par paragraphe. Quand vous aurez terminé votre argumentation, vous sautez une ligne comme vous l'avez fait avant après l'introduction et vous achevez par une phrase de conclusion. La conclusion... C'est une espèce de rappel des épisodes précédents. Autrement dit, la conclusion, elle reprend brièvement l'argumentation, c'est-à-dire qu'elle rappelle quelle était votre position, quelle était la thèse que vous avez développée. Pour structurer votre texte ou votre exposé à l'oral, vous allez utiliser des mots-outils. Parce que pour articuler correctement une argumentation, il faut qu'on en sente la logique. Chaque paragraphe, si possible, va commencer par un connecteur. Tant qu'à faire, vous allez essayer de les choisir judicieusement. Et je vous en donne ici quelques, quelques exemples. Par exemple, pour introduire le premier argument, vous pouvez démarrer par tout d'abord, par en premier lieu ou par pour commencer. Vous ajoutez ensuite des arguments avec des mots comme ensuite, puis, de plus, en outre, dans un deuxième temps. Tous ces ensembles de mots qui à la fois vont guider votre lecteur ou votre auditeur et en même temps vont le rassurer sur votre capacité à être capable de mener une argumentation. Si vous apportez un argument qui vient contredire le précédent, parce que vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le même sens, évidemment qu'il est bon parfois d'apporter un petit peu de controverse qui permet de, de donner plus de force quand vous, à, à, votre, à votre thèse. Donc là, utilisez des mots qui vont exprimer l'opposition. Cependant, néanmoins, pourtant, en revanche. Et enfin, non, pardon, excusez-moi. Quand vous avez à, à introduire vos exemples, vous pouvez utiliser des mots du type ⁇ ainsi ⁇ en effet ⁇ par exemple ⁇ et enfin ⁇ qui arrive. Quand vous allez conclure votre texte, n'hésitez pas à être lourd et à terminer avec ⁇ pour conclure ⁇ en somme ⁇ finalement ⁇ afin qu'on comprenne bien que vous êtes arrivé au bout de votre raisonnement, au bout de votre développement, et on a quelque chose de construit et de structuré. Voilà pour la construction d'une argumentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage